Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Voltan63. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto GoPro. Ça faisait longtemps que vous en attendiez un, vous m'avez demandé plein de fois de vous en faire un. Et donc, on va en faire un aujourd'hui. Alors, ce sera comment faire, selon moi, la meilleure vue GoPro possible sur un casque intégral, donc moto, donc un casque de cross, comme on dit. Ou un casque pour moto de route. Alors, le principe, c'est de mettre donc la GoPro plus ou moins en dessous de la visière, ici et ici. Alors, on va voir ensemble comment on peut les fixer. Ça dépend du casque. Déjà, je tiens à vous le dire. Vous pouvez aussi la fixer donc sur le côté. J'ai mis une fixation là sur celui-là et une fixation ici sur celui-là. J'ai déjà fait une vidéo, mais il y a super longtemps, vous pourrez aller voir. Donc vous allez juste sur ma chaîne et vous cherchez. Ou sinon, vous tapez les meilleures fixations GoPro pour casque intégral. On va tout de suite commencer. Donc pour le premier, donc c'est un casque, le Fox V3 Pilot. C'est une édition limitée, Ricky Carmichael. Donc là, il y a une petite signature, etc. Enfin bon, bref, c'est un Fox. C'est à peu près tous les mêmes hein, en termes de design, de forme. Et sur celui-là, j'ai fixé donc la fixation. Je l'ai collé sur sur la visière. On va voir ensemble ce que ça donne. Après, il faut voir aussi sur votre casque. Ce qu'il vous faudra comme coude et comme vis. Alors, pour celui-là, si tout va bien, il me faut donc un petit comme ça, un long vis et juste la GoPro et le boîtier. Après, la porte, peu importe, ça dépend juste de ce que vous allez en faire. Si vous allez donc dans l'eau, je vous conseille quand même de prendre la porte étanche, ça pourrait vous éviter de racheter une GoPro. Pour cette vue, il y a aussi un petit inconvénient, mais qui se règle très très facilement. Hop, on monte bien la visière au maximum. On enclenche la GoPro, donc jusqu'au bout. Voilà. On l'oriente comme on veut. Donc là, c'est juste que les vis sur le côté ne sont pas assez serrées. Du coup, la visière redescend. Alors, les petits inconvénients de cette vue. Donc, ça dépendra de votre casque. Donc là, vous avez juste donc la GoPro qui est juste en dessous du seuil en fait visible. Donc, vous allez voir sur votre champ de vision un poil la GoPro. C'est vraiment pas gênant. Je tiens à le dire. Donc vous, ça tiendra comme je vous l'ai dit. Et aussi la GoPro est à l'envers, donc il faut juste aller dans les réglages. On va le faire ensemble. Je vous mettrai un aperçu de la vue à la fin de la vidéo. Donc dans les réglages, après on va dans Capture Settings. Là j'ai dépassé. Hop, et là donc on a la fonction Up. On clique, on descend, on valide et comme ça vous permet d'avoir la GoPro qui filme correctement. Après, donc, il y a la solution que j'ai utilisée sur le Hero qui m'est, ma foi, la meilleure, je pense. Donc, pour celle-ci, c'est très simple. Il vous faut une fixation en J, enfin ça dépendra du casque. Pour les héros, c'est une fixation en J. Et donc là, vous voyez bien que la visière, elle n'est pas droite. Donc on ne peut pas coller de fixation adhésive dessus et avoir la vue de la GoPro droite. Sinon, bien sûr, ben, ça donnerait une vue inclinée. C'est pourquoi j'ai mis un peu de temps à trouver le bon settings, les bons réglages, si vous préférez. Et donc, comment je la mets, ma GoPro? Je la mets donc comme ceci, avec toujours un vis
long pour éviter que ça ne vienne frotter sur le boîtier. Je monte donc la visière au maximum. Je rabats ça comme ceci. J'enclenche la GoPro. Et là, j'ai plus qu'à relever. Du coup, la GoPro est comme ça. Vous n'avez pas la vue du casque. Vous avez vraiment une vue qui est digne du pilote. J'ai envie de vous dire que c'est pas comme lorsque la vue sur le côté, elle n'est pas décentrée la vue. Vous voyez exactement comme le pilote. Après, il faut juste régler l'inclinaison de la GoPro. Pour ça, je vais vous donner quelques petites techniques. C'est assez simple à suivre. Alors pour ça, je vous conseille de vous mettre en mode wide. Déjà, pour commencer, si vous avez une mode wide, c'est parfait. Je sais que sur la Hero 3, la Hero HD, on ne peut pas se mettre en wide en 1080p. Donc ça, c'est un petit inconvénient. Aussi, je vous conseille, si vous avez le mode Super View, de vous y mettre. Ou si c'est pas le cas, vous vous mettez dans un mode qui est en 4 tiers. Donc pour l'Hero 3 Black, c'est soit le 1440p, soit le 960p. Qu'est-ce que ça va faire en fait? Tout simplement, le capteur de la GoPro, on va dire qu'il a une forme de 16 cm par 9 cm de haut. Et ce que ça va changer, c'est qu'au lieu qu'il fasse 16 cm et 9 cm, il va faire plus de 9 cm. Du coup, votre GoPro, elle va capter plus de hauteur. Après, pour la remettre au bon format, donc en 16 neuvième, il vous suffit d'aller dans votre logiciel de montage, de faire quelques réglages, c'est pas très dur. Il suffit juste de régler la position du film. Vous pouvez le monter, le baisser, le monter, afin d'avoir la vue soit du guidon, soit du paysage. Vous pouvez ajuster comme vous voulez pour chaque plan. Je pense que c'est vraiment super. C'est ce que je fais à chaque fois sur mes vidéos. Comme ça, j'ai jamais de mauvais cadrage et j'ai toujours une vue parfaite. Sur ce, j'espère que ce tuto GoPro vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos. N'hésitez pas à aller voir dans la description le lien pour me suivre. Donc il y a Facebook, Twitter, Instagram, Skype. Vous pouvez m'ajouter. Et aussi, il y a d'autres liens dans la description intéressants pour vous. Et je vous dis aussi, si vous voulez voir d'autres tutos GoPro, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, vous abonner, etc. Sur ce, ciao. Et n'oubliez pas de regarder le petit extra à la fin de la vidéo.